avant la représentation du Tartuffe de Molière, rencontre avec Claude Brasseur, de retour à Ramatuelle. Claude Brasseur, bienvenue à Ramatuelle. Bien, merci. De nouveau, on est content de vous retrouver. Oui, bah alors, oui, je suis chez moi là. Exactement. Alors justement, vous venez en habitué et aussi en voisin. Et en pantoufle. Vraiment comme à la maison. Oui, oui. Non mais indépendamment de ça, je suis très heureux de jouer ici. En souvenir, il y a tous les fantômes. Le fantôme de Gérard Philippe, le fantôme de Jean-Claude. Madame, une avant-hier, la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir. Et Tartuffe. Tartuffe, qui se porte à merveille. Gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Le pauvre homme. Alors, vous interprétez Orgon, c'est le rôle que jouait Molière. Est-ce qu'on pense à ça aussi quand on prépare? Non, je vous avoue que je n'y ai pas pensé, mais quand j'y pense, c'est un grand honneur. C'est lui le créateur de son rôle, mais je me suis arrangé, il me l'a prêté. Et il m'a dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose de bien. Alors, et j'essaye de le jouer respectueusement, en respectant son texte, mais enfin, en le jouant à ma façon, parce que je pense que... Il en est des beaux textes, comme des belles femmes, mais il ne faut pas trop les respecter. Que dites-vous de Tartuffe? Notre hôte. Qui, moi? Vous voyez bien comme vous répondrez. Hélas, j'en dirai moi tout ce que vous voudrez. C'est parler sagement. Dites-moi donc, ma fille... Quand toute sa personne a un beau mérite, qu'il touche votre cœur et qu'il me serait doux de le voir par mon choix devenir votre époux. Depuis le temps que le festival existe, il y a un gros avantage, c'est que le public du festival de Ramatuelle est un public éduqué. C'est pas un public de touristes qui viennent, ils savent pas très bien voir quoi. Ils choisissent et c'est un public d'averti. Et ça c'est très agréable, on se retrouve devant un public de connaissances. Vous le haïssez tous. Et je vois aujourd'hui femme, enfant et valet déchaînés contre lui. On est évidemment toutes choses en usage pour ôter de chez moi ces dévots personnels. Mais plus on fait d'efforts afin de leur bannir, plus on veut s'employer à les bureauter. C'est tout ce que j'aime parce que, particulièrement, moi je n'aime pas jouer pour le public, j'aime jouer avec. Je vais et alors là, il y a moyen de jouer avec eux et ils réagissent. Et puis à la fin, c'est eux les vedettes puisqu'ils jettent les coussins.